Ça y est, c'est parti. On est dans le minibus qui nous emmène à la match avec Gates. On s'est arrêté pour acheter les derniers trucs, de l'eau, passer aux toilettes, des trucs comme ça. Toute la matinée, on a fait des trucs, les lunchbox. Les porteurs aussi doivent remplir des papiers pour s'enregistrer. Donc là, on a à peu près une heure de route jusqu'à la match des Gates. Et puis après, on devra aussi s'enregistrer là-bas. Et c'est seulement après qu'on pourra commencer. Voilà. Look at this cowboy. We just started. Yeah. Pole. Slowly, like a baby. Premier point, ça fait à peu près 2h30 qu'on marche. Pour l'instant, c'est vraiment de la forêt tropicale. C'est hyper dense. Et les arbres sont hyper hauts. Et ça nous protège un peu du soleil, enfin il fait pas hyper beau, il pleut surtout. Mais pour l'instant ça se passe bien, pas trop essoufflé, mais on marche doucement, tranquillement. How's it going, John? Good. Good? How's it going, Saleh? Very good. How's it going, Ramadan? I'm good, buddy. Everyone's good. Tout le monde va bien. On verra un peu plus tard comment ça se passe. Bon, là on vient de se prendre un méga déluge sur la tronche. D'un coup. Donc, on a mis une super poncho. Sauf que, évidemment, on a un super poncho. Donc, on est resté comme ça pour 10 minutes. J'ai voulu mettre mes guêtres. Ouais, les guêtres. Et du coup, j'ai dû tout enlever. Je les ai pas trouvés. Donc maintenant, je suis mouillé de la tête aux pieds. Voilà, super. Ok, donc là on est arrivé au camp Machame Camp. Et donc on a posé nos affaires. Il rigole, smoke the wire, you're laughing at me. Because he thinks you're a nerd. On a posé nos affaires, lavé un petit peu, et puis là on a un petit goûter avec des popcorn. Voilà, le gros là, il est en train de tout défoncer. Canada is better than France. Our porter's even said that today.
Voilà. Voilà le repas de roi qu'on a. La soupe de concombre. Cucumber soup. Some vegetable sauce. Espèce de sauce. Sauce aux légumes. Et là, un genre de patate douce. Cabbage. Plein sucre. Holy fuck, bro. No, bro, keep on, man. It's fine. We got some stomach over here. We got some stomach. I don't fuck, man. Poisson. La avocado. The fuck, man. I don't fuck. Premier réveil, un peu dur. Première partie de la nuit, on a dormi comme des bébés, et puis on s'est réveillé vessie pleine à cause du Diamox. Et après ça, c'était un peu plus compliqué de dormir. Petit déj. Je sais pas ce que c'est, une espèce de porridge. C'est pas mauvais. On a tenté. Bon, je retire ce que j'ai dit. On va bouffer comme des rois. Encore une fois. Bon, deuxième jour. Ça grimpe, ça glisse. C'est dur. La végétation a complètement changé. Mais ça va. Ça va bien. Bon, donc là on est au Shira Camp. Et putain, ils nous ont encore fait une dinguerie là. Des frites à presque 4000 mètres d'altitude. Le mec, c'est un magicien quoi. Et je vais arrêter parce qu'il a bouffé la moitié. Il est en train de bouffer la moitié. He's eating half of it. Non. Already, so. Yalla, join. Allez. Troisième matin, toujours vivant. Il a fait vraiment froid cette nuit. Évidemment, on a toujours obligé de se lever pour vider la vessie. Et là, ce matin, on va encore manger comme des rois. Et ouais, voilà. Donc aujourd'hui, on part d'ici, donc Shira Camp, à 3750, on va jusqu'à Lava Tower et ensuite on redescend jusqu'au Barranco Camp. Voilà. Non, on a vraiment pas de chance, ça fait 3 jours qu'il pleut. Les petits tas de pierres qui ont été mis par les grimpeurs précédents pour nous souhaiter bonne chance. Hey John, yeah. How fast are we going? Pole. Yeah, we go pole. We are now approaching to reach to Lava Tower. Yes. Le Kilimanjaro qui ne veut pas montrer le bout de son nez. Bon, on est à la Lava Tower, 4600 mètres d'altitude.
C'est énorme. On est arrivé un peu après tout le monde parce qu'on a attendu nos porteurs qui ont eu un peu de mal. Et on arrive à peu près un petit peu à voir le pic, mais pas vraiment. Il y a encore beaucoup de nuages. Mais c'est impressionnant. Bienvenue en Afrique, le continent du soleil. Non, il neige. Pleu et il neige. Asante Rafiki Yani. Asante Rafiki. Okay, okay. I want you to repeat. Okay, Ramazan, is that the wall? Yes, it is. Are we gonna climb this tomorrow? Yep. What the hell, man? It's so big, man. What do you think, Calvin? What do you think? Yo, this is impossible. There's no way, man. What the hell? Barranco camp. Il fait que de pleuvoir, il y en a marre, ça casse les pieds, c'est chiant. Mais là on mange. We about to feast. Yeah. Hey yo. Aujourd'hui, on s'attaque au Barranco Wall. Ok, Salah, your turn. Yes! Listen, in France, we say like this. Woo! Oh boy. Guys, we made it. Let me just show you. Up of Barranco Wall. Like we jump. Woo! Thank you. Yeah. Good job, man. Good job, Calvin. Good job. Congratulations. Yeah. Good job. Just need this now. Good morning, my neighbor. Fuck you. Fuck you too. Putain, on est à 4200 mètres d'altitude. Le mec, il fait des abdos. How old are you again? 45. Jambo, jambo, buana, habari yani, suzi sana, wageni, wakaribishwa, wapi hili Kilimanjaro, hakuna matata, tembea pole pole, hakuna matata, karanga mtatoboa, hakuna matata. Barafu mtatoboa. Hakuna matata. Usiku tunaenda summit. Hakuna matata. From there we going to reach to Stella. Hakuna matata. From there we reach to Huru. Hakuna matata. From there we do little dancing. Hahaha.
Des frites à 4000 mètres d'altitude, voilà ce que ça fait. That's amazing. That's amazing. Bon, ça y est, on est au base camp. Barafou. Quand même. Dernier avant le dans l'ascension. Il est 6h, on va bouffer notre repas et après on va essayer de dormir. On a une plâtrée de pâtes avec une petite sauce là. Voilà. On ressemble à deux dégénérés. Base camp. One more day. Voilà, il confirme. We hope everything doing okay till now. And we wish all of us we are going to conquer the roof of Africa. We wish living here around 1. So wake up time gonna be 12. Normally people used to feeling like freezing finger, little bit. Sometimes vomiting, one time, two time. This is due to the oxygen. The more we go up, the more we go higher, not enough oxygen. And the other thing, you might be feeling headache as well, simply because of the altitude, of the higher elevation, because it's less oxygen right there. And also you might be walking while sleeping. Once we'll be at the stellar point, at the altitude 5,750, it will be easier. Why? Since it will be in the morning, we'll be able to see where we are going at Uhuru Peak. And also, it's just like someone who had been eating the whole cow, left the tail to make it. Because it's just only 45 minutes all the way to Uhuru Peak. You left your job, I know. You left your business. You left your colleagues. You left your mother, your dad. Just they know you are here. So I wish everything will be okay so that you can conquer your dream. Right? Il est quasiment 1h du matin. On va être prêt là. On mange un petit morceau et on va y aller. Salah, how are you feeling? I'm pissed, I lost my AirPods. You're gonna find them, man. Il y a un vent de dingue, il y a eu un vent de dingue toute la nuit. Mais ça va le faire. Petit déjeuner. Hyper léger. Et on est parti. À partir de là, nous n'avons plus aucune photo ni aucune vidéo de notre ascension.
jusqu'à Stella Point, notre première étape. En fait, on n'était juste pas en état. Je vais donc vous raconter comment ça s'est passé. Le début de l'ascension se passe bien. Ça grimpe, c'est dur, c'est rocailleux. Personne ne parle. Chacun est dans sa bulle et l'effort est soutenu. Nos mains et nos pieds sont congelés. Mais paradoxalement, j'ai trop chaud. J'ai enfilé trop de couches et je me sens mal. Je suis obligé d'arrêter le groupe. Toutes les 30 à 40 minutes pour m'allonger une minute. « Keep going ?» me demande Ramadan. « Keep going ?» je lui réponds. Au sixième arrêt, Ramadan me demande « You wanna keep going or go back ?» C'est la première fois qu'il me propose de faire demi-tour. Je lève la tête au ciel, mon regard se perd dans les étoiles pendant 10 interminables secondes. « Keep going ?» En me levant, je vomis une fois. Ramadan me propose de porter mon sac. J'accepte. Paradoxalement, je vais beaucoup mieux depuis que j'ai vomi. Nous marchons plus d'une heure sans arrêt, à un bon rythme, ce qui nous permet de rattraper le groupe qui se trouvait devant nous et de suivre leur rythme. Les guides des deux, trois groupes réunis lancent alors une chorale de chansons pour nous donner du baume au cœur. Ce sont des chansons en swahili à propos du Kilimanjaro. L'effet est immédiat, ça me prend au trip et j'ai envie de boxer la montagne. De son côté, Calvin vomit à son tour et Salah transfère son sac à John afin de pouvoir continuer. Chacun de nous a la tête basse, les yeux rivés sur les chaussures de celui qui le précède, concentré sur la tâche surhumaine de mettre un pied devant l'autre, en tentant de se couper de toute notion du temps pour ne pas perdre espoir. À ce moment-là, mon corps est déjà au-delà de ses capacités théoriques. C'est le mental qui fait bouger mes jambes, et c'est aussi le mental, seule chose que je contrôle encore à ce moment-là, qui m'interdit d'abandonner. Avant d'atteindre Stella Point, le soleil se lève et nous offre une vue imprenable sur le mont Mawenzi. Un avion passe, il est plus bas que nous, c'est une vision surréaliste. Encore un effort et nous atteignons Stella Point. Le rêve est à portée de main. Bon, et ben ça y est, on l'a fait. On a grimpé le Kilimanjaro. C'était vraiment compliqué, vraiment pas facile. J'ai eu vraiment des gros problèmes. Je pense que je m'étais trop habillé, à mon avis. Mais voilà, donc j'ai dû m'arrêter plein de fois, j'ai même vomi une fois, enfin c'était compliqué.
Et puis une fois que t'as fini, il faut se retaper et ensuite la descente. Donc voilà. Donc c'est vraiment une très 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 longue journée. Et là on a la récompense des champions. Voilà. Donc on va profiter. Hello, hello. Ça y est, c'est la fin. End of the well done. Kilimanjaro trek. Right here is the door back to Earth. I don't know this guy. Hey, that guy's baby boy. Hey, baby boy. Hey, you do see this baby man? How you doing, my neighbor? Who check the video and this one, the baby man. This is the baby man. Baby boy. I'm his baby man, yeah. And this is the man this right is the here. Event of the evening. This is the man, my hero. We're finished. Back on Earth, my hero. Let's back it. C'est fini. Yes. L'équipe qui nous attend. The guys are waiting for us. We're finished. Yes. My man. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Okay. Asante. Tomorrow you're going for safari. Hakuna matata. You are going to experience. Hakuna matata. Good morning, my neighbor. Fuck you too. Bomba, 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 b
Kulila nyama, kulila nyama, kulila nyama, mbona wanizunguka.